Merci, petit écureuil. Mais souviens-toi, ces fleurs sont destinées à la princesse Célestia. Il ne faut donc choisir que les plus belles. La 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 la. Salut, petit animal. Je n'avais jamais rencontré d'espèce de ce genre auparavant. Oh, est-ce que tu as faim? Tiens, serre-toi. Oh, eh bien, tu avais très faim, à ce que je vois. Oh, c'est incroyable ce que tu es mignon, toi. Je suis impatiente de te présenter à mes amis. Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Loin de tendresse, n'est pas bien complet. Un tour de magie et c'est parti. Tu es ma little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Ah, dépêche-toi un peu, Spike. Cette pièce ne va pas se nettoyer toute seule. Elle ne s'est pas salie non plus toute seule. La princesse Célestia arrive demain matin. Je croyais que ce n'était qu'une simple visite non officielle. Une visite royale est toujours importante. Je veux que cette maison soit impeccable et toi, tu ne fais qu'y mettre du désordre. Peut-être que tu devrais lire ces livres un seul à la fois. Tout doit être absolument parfait. C'est pas le moment de faire l'idiot. Tu sais, je crois que l'un de nous deux est trop. On est tout le temps en train de se marcher sur les pieds. Oui, tu as raison. Je propose donc que tu nettoies pendant que je surveille les autres préparatifs. Finalement... J'avais envie d'aller voir les gens. Tu viendras avec nous. Où est passé le reste de son nom? Il ne rentrait pas entièrement sur la banderole. On ne peut pas accrocher une banderole avec écrit « Bienvenue, princesse Céleste ». Enlevez-la et recommencez. Ces fleurs sont magnifiques. Continue comme ça. Bonjour, monsieur et madame Cake. Où en est le banquet? Disons que les choses avanceraient plus vite si... Pinky, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ces desserts étaient destinés à la princesse. Je sais, c'est pour ça que je les goûte d'abord. Il faut s'assurer qu'ils sont suffisamment bons pour être dignes d'être goûtés par sa langue royale. Et moi, Pinkie Pie, déclare que tous ces desserts sont dignes d'un roi, ou d'une reine, ou d'une princesse. Twilight, Pinkie, vous n'allez pas me croire. Oh, je suis désolée, est-ce que je vous ai interrompu? Mais non, pas du tout. Entre et surtout fais comme chez toi. Que se passe-t-il, Fluttershy? Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé ce matin dans la forêt des enchantés. Allez, montre-toi, petit père. Tu n'as rien à craindre. Vous êtes trois? Ils sont magnifiques. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop. Et d'ailleurs, je ne sais pas non plus d'où viennent les deux autres. Je crois que je vais en garder un. Je n'ai jamais rien vu d'aussi adorable. Et puis, il pourra tenir compagnie à Spike. Comme ça, il ne m'ennuiera plus pendant que j'étudie. Pinkie, tu en veux un, toi aussi? Un paratriste? Tu plaisantes, j'espère. Un para quoi? Peux-tu ne pas les trouver mignons? Maintenant, je dois trouver un trombone. Un quoi? Un trombone, tu sais. Elle est terrible.
chaise de boucher, une baudoche. Oh, je ne peux pas. J'ai envie de voler. C'est bien trop ennuyeux pour moi de rester sans bouger. Tu veux être belle pour la princesse Célestia, oui ou non? Waouh, Rarity, ces costumes sont fantastiques. Ah, merci, Twilight. Je suis contente que toi, tu reconnaisses mon talent. Oh, c'est tellement ennuyeux. C'est quoi ce bruit, Twilight? Oh, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas et on ignore également d'où ils viennent. Je n'en avais qu'un il y a une minute. Oh, je peux en avoir un? Oh oui, moi aussi. Ils sont tellement mignons. Est-ce que vous savez où je peux trouver un accordéon? Oh, gentil. Hé, hey, les filles, écoutez, c'est important. Super, oh, merci beaucoup. Les costumes, les décorations, le banquet. J'espère sincèrement que tout sera en place pour la fête de demain. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cette nuit, alors je lui ai donné des sucreries, mais je n'ai aucune idée d'où proviennent les autres. Oh non! Ils ont défait tout mon travail! La princesse sera là d'ici quelques heures! Pat, aide-moi à tous les rassembler! Et qu'est-ce que tu es en train de faire d'après toi? Je sais, je dois arrêter de faire l'idiot. Vous êtes vraiment adorable, mais vous êtes en plus très utile. Oh, est-ce que ça va? Aux instruments. En plus de ça, j'ai un gros problème. Tu n'es pas la seule à avoir des problèmes. Moi, j'ai un banjo à trouver si tu crois que c'est facile. Oh. Ah. Je vois que tu as le même problème que moi. Moi aussi. Le Yorkshire est incollable sur les animaux. Je suis sûre qu'elle saura comment les empêcher de se reproduire. Ou pas. Mais quelque chose, Fluttershy! Tu dois pouvoir les contrôler! J'ai tout essayé! Je leur ai parlé gentiment! Je les ai priés! Je les ai suppliés! Si on ne les a pas maîtrisés avant l'arrivée de la princesse, ce sera un désastre sans nom! Pour ma part, je trouve que c'est déjà un désastre sans nom.
Voici ta livraison de pommes, Fluttershy. Mais il faudra que tu m'expliques pourquoi tu en voulais autant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je viens d'avoir une idée. Personne ne rassemble un troupeau comme Applejack. Oui, il suffirait de les reconduire jusqu'à la forêt. D'accord, je m'en charge, mais je vais avoir besoin de votre aide. Twilight et Rarity vous attendrez ici. Je vais rassembler ces créatures dans votre direction. Envodash et Fluttershy, vous, vous fermerez la marche. Ne les laissez pas s'enfuir. Bien reçu. Sans votre aide. Rentrons et dépêchons-nous de ranger le désordre avant que la princesse arrive. Ok, chacune sait ce qu'elle a à faire, n'est-ce pas? Nous devons mettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu. Mais enfin, d'où est-ce qu'il sort? Eh ben, il se peut que j'en ai gardé un. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils sont si mignons. On n'a plus le temps de les ramener dans la forêt. Que va-t-on faire? On fait appel à l'équipe météo. Il est temps de faire le grand nettoyage de printemps. Oublier tes stupides instruments pendant une seconde. Tu as anéanti nos efforts pour sauver Ponyville. Moi? J'ai fait ça? Mais je n'ai rien détruit. C'est moi qui suis détruite. Oh, c'est beau ce que je viens de dire, non? Deviendrai-je poète? Allez, les filles, inutile de nous plaindre sur notre sort. De toute façon, Pinky ne comprend rien. Hé! J'essaie d'éviter une catastrophe, mais pour ça, j'ai besoin de ces instruments. Arrêtez de courir et écoutez-moi.
Bravo, ça fonctionne. Il ne mange plus la nourriture à présent. Oh non, il pénètre dans mon magasin. Il faut tout déjeter pour toi. Petit monstre. J'arrive à la rescousse. Nous ne laisserons aucune créature dévorer la récolte de la famille. Préparez-vous. Oh, je ne m'attendais pas à ça. J'ai sous les yeux est un paradis. Peut-être, et c'est grave. On raconte des histoires sur ces créatures, je les ai lues. Si Ponyville est infestée, vous êtes perdus. Nous sommes perdus. Oh non, voilà l'escorte de la princesse terminée. Pinky, la situation est grave. Le moment est mal choisi pour jouer de la musique. Twilight Sparkle, ma très chère élève. Bonjour, princesse. Je suis très contente de vous revoir, toi et tes amis. Alors, vous avez fait bon voyage, pas trop d'embouteillage? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Ces petites créatures sont adorables. Non, pas si adorables que ça. Je suis très flattée que vous et les habitants de Ponyville ayez organisé une parade en mon honneur. Parade? Oh! Oui, oui, parade. Malheureusement, je vais devoir remettre ma visite à une prochaine fois. On m'a fait part à l'instant d'une urgence à Jumentville. Apparemment, il serait victime d'une infestation. Une infestation? Oui. Une nuée de petites bêtes incroyablement affamées a envahi la ville et je dois y aller. Je suis désolée, vous avez dû vous donner beaucoup de mal pour préparer ma venue. Mais non, pas du tout. Avant de partir, pourrais-tu me faire ton rapport en personne sur la magie de l'amitié, Twilight? Mon rapport? N'as-tu rien appris de nouveau sur l'amitié? Eh bien, princesse, en fait, si. J'ai appris que parfois la solution à vos problèmes peut surgir de façon inattendue.
et que c'est toujours une bonne idée d'écouter les idées et les opinions de ses amis. Même si ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Je suis très fière de toi, Twilight, et je suis également impressionnée par tes amis. Je crois que vous avez beaucoup à apprendre les uns des autres. Merci, princesse. Une urgence à Jumonville. Une infestation, à ce que j'ai cru comprendre. Oh non! Eux aussi, ils ont des paratristes? Bon, eh bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Je crois que la princesse va se débrouiller. Alors, tu savais d'où venaient ces bestioles, si je comprends bien? Bien sûr! C'est pour ça que je voulais à tout prix mettre le sabot sur ces instruments. J'ai essayé de vous le dire. C'est vrai, Pinkie Pie. Nous aurions dû t'écouter. Ouais, pardon, désolé, Pinkie. Tu es merveilleuse. Même si nous ne te comprenons pas toujours. Merci, vous aussi, vous êtes merveilleuse. Même si je ne me comprends pas toujours. Tu as sauvé ma réputation auprès de la princesse Celestia. Et le plus important, tu as sauvé Ponyville. Ou pas.